Yo mes gros, c'est Yannistocrate, je suis avec Kenny, j'espère que vous avez bien mangé parce que moi j'ai pas encore mangé. Et aujourd'hui, on va se régaler. Parce qu'aujourd'hui on est où? Bienvenue dans le KFC. Où ça KFC? Dans le régime et tu dis KFC. Laisse-moi terminer. Tu laisses pas terminer. Le KFC, le Kenny Fighting Club. Oh, 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 c'est lourd. Si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Tu t'abonnes, tu suis Kenny sur tous ses réseaux. Et Yannis sur ses réseaux aussi en description. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier qui? Le sponsor MyProtein qui nous permet de réaliser ce genre de vidéos, qui soutient Kenny dans le projet de perte de poids. Ces événements-là de qualité et de taille. Et on n'oublie pas surtout le code Kenny jusqu'à moins 50% dans la boutique, les gars. Foncez, tout est dans la description. Let's go. Bon, pour ce premier KFC, Kenny Fighting Club, un combat de taille. Et je parle pas de boxe taille. Le premier combattant, vous le connaissez tous déjà. Kenny, le géant de Syrie ou de Nancy, je sais pas. El famoso Seriano. 1m95 pour 250 kilos. Bon, 238, 239 maintenant. Et je sais pas si t'es au courant de qui tu vas affronter aujourd'hui. C'est qui? Il est où? Bah devine, frère. Bah je sais pas, donne-moi un indice, bon. Ok, pas de soucis, tu veux un indice. Voilà. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah gros, un indice. Frère, tu m'as demandé un indice, je t'ai ramené un indice, frère. C'est n'importe quoi. Son adversaire, ce sera Flavian, qui est venu de loin, qui est venu de Beauvais ici, pour affronter Kenny dans le KFC. Non, pour affronter, pour mourir. Content d'être là, Flavian? Ouais, super content. Bah vas-y, on te laisse te présenter rapidement, non? Bah, je m'appelle Flavian, je suis 21 ans, et voilà. Tu mesures 1m38 pour 50 kilos. Donc aujourd'hui, on aura du 50 kilos face à 250 kilos! Il y a juste 200 kilos d'écart, c'est rien! 200 kilos d'écart, ça fait pas peur, Flavian? Non, bien sûr. Voilà! C'est ça qu'on aime entendre! Ok! C'est bon, t'es chaud? Flavian, t'es chaud? Ouais, super chaud. Super chaud? Je vais mettre des high kicks, okay. Gros, comme ça. Je vais faire comme ça, il va faire le tour de l'horloge 4 fois. Moi, personnellement, je mets une petite plaise sur Flavian. Ouais, moi, je suis plus confiant envers Flavian, il vient de Beauvais, il a fait de la route. Et j'avoue, il fait de la muscu tout à l'heure, il s'est changé, il est ch'tard. Hein, des pecs comme ça, les gars, vous avez pété les plombs. Bon, on est bon? On accueille maintenant le premier combattant, 50 kilos pour 1m38, Flavian Aka, le nain connu. Le deuxième combattant, il nous vient tout droit de Nancy. 1m95 pour 250 kg, Kenny Aka, roi des gros, Aka, le géant de Syrie. Vous connaissez maintenant les deux challengers, les deux adversaires, les deux combattants qui vont s'affronter aujourd'hui. Pour le début de son combat, le premier round, je l'ai intitulé Bouge-moi si tu peux. L'objectif, ça va être pour Flavian de pouvoir faire bouger Kenny. Et pour Kenny, de pouvoir faire bouger Flavian. Et de pas le tuer. Sans le tuer, de préférence. C'est bon, vous êtes prêts les gars? Chaud. Tu es prêt Flavian? Bien sûr. Kenny, je vais te demander de te placer bien au milieu. Flavian, tu vas devoir prendre l'élan que tu veux. L'objectif, la petite astuce pour essayer de bouger Kenny, c'est d'y aller comme à un plaquage de rugby. Et de faire bouger de tout ton poids, toute ta force en prenant le plus d'élan possible. Tu risques pas de te blesser. C'est moi, je vais te blesser. Ça te va? Ça me va, ça. Normalement, tu devrais bien amortir. Tu prends l'élan qu'il te faut. Et après, ce sera mon tour. Et après, ce sera au tour de Kenny. C'est quand tu veux, Flavian. Bon, c'est toi de prendre la suce. On va lui laisser deux autres chances. Bon, Kenny, malheureusement Kenny n'a pas bougé. Ça va être maintenant au tour de Flavian. Flavian, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu. Vous inquiétez pas, il y a une ambulance et les pompes funèbres qui attendent sur le parking au cas où ça se passe très mal. Kenny, c'est quand tu veux.
Ah. Allez, Flavien, encore deux options, essaie de résister. Une nouvelle fois réussi pour Kenny. Est-ce que Flavien va réussir à résister pour cette troisième essai? Je demanderai de bien te mettre au milieu, s'il te plaît. Ça a réussi une troisième fois pour Kenny. Kenny emporte ce premier round. Avant de commencer le deuxième round, ouais. Moi je vois qu'il y a un petit peu de déséquilibre. J'ai proposé à Flavien, on va lui laisser une quatrième chance. T'es d'accord ou pas, Kenny? Je suis d'accord. Ok, t'es d'accord, Flavien? Quatrième chance. Je suis d'accord. Flavien. Ah, il fait un demi-homme, il faut bien lui laisser une chance en plus. Je valide pas. Et moi je fais trois hommes, il faut bien m'en enlever. Flavien, si tu le souhaites, tu vas avoir la possibilité de prendre un maximum d'élan et de pouvoir essayer de bouger Kenny avec tes jambes. Ok. C'est bon, ça vous va? C'est sur le bide, hein. Sur le bide. Je suis pas encore daron. On préserve ça. Vous avez des coquilles? Flavien, c'est quand tu veux. Alors. Tu peux le retenter une deuxième fois. C'est pas grave. Allez, Flavien, c'est le moment. C'est le moment. Hey, il a réussi à te faire bouger un petit peu. On est en déséquilibre. Ouais, en déséquilibre. En déséquilibre. On va Mais pouvoir. Il a réussi, effectivement. C'est la fin de ce premier round. Bon, victoire logique de Kenny. On va pouvoir passer maintenant au deuxième round. T'as un bouclier pour la viande et une patte d'ours pour les autres. L'objectif, encore une fois, cette fois-ci, ça va être de résister. Flavien va devoir résister aux assauts du CRS Kenny. Et Kenny va devoir résister aux assauts du CRS Flavien. L'objectif, donc, c'est simple. J'ai mon bouclier, je suis là. Flavien doit me résister, je cours, je charge, et l'objectif c'est de le faire reculer. Pareil pour Kenny, il est là, il essaie de résister, je le charge, voilà, les manifestants ne doivent pas reculer, et je peux reculer. Voilà, vous avez vu que c'est un petit peu compliqué pour moi déjà, parce que ça donne pour Flavien, qui commence? Qui prend le bouclier en plus? Et on aura plus petit. Ah, Flavien, tu le prends vraiment comme un bouclier de CRS quoi. Le manifestant, le gilet jaune. Je te laisse le mettre au milieu, Kenny. Round 2. Un café s'il vous plaît chef, je voudrais bien un petit café. Sinon n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche des notifications, tout ça, allez, le code Kenny. Allez, jusqu'à moins 50%. Pense à tous ces gens. Il y a des mouches encore en septembre. Allez Flavien, pousse-le. Des moustiques. Pense à tous ces gens qui veulent pas te comprendre. Pense à tous ces gens qui disent que t'as un incompris. Allez Flavien, allez. T'es pas un incompris Flavien. Vas-y, pousse-le. Pousse-le, tu peux le faire Flavien. C'est pas ça ça. Franchement c'est pas ça ça. Kenny, je vais te laisser prendre le pao. Tu es prêt? Kenny, tu es prêt? Fight! Allez, viens là. Flavien, ouais. Je te demanderai de te remettre au milieu pour le deuxième essai. Hey, il est plus par terre que debout. Oh. C'est quoi cet adversaire là-haut? Oh, il a résisté, résiste, résiste. C'est bien! C'est mon champion ça! On va voir s'il résiste. Flavien, touche-toi. Accroche-toi. Filme la tête que t'as fait en me voyant arriver. Filme, oh, montre-lui. T'as fait quoi la tête? La tête. Ça va Flavien? Ouais, nickel. Tranquille. Il a l'habitude d'accident de voiture, tout ça, il connaît. Maintenant. Ouais, voiture télécommandée. Ah Flavien, il parle pas beaucoup, il faut qu'il me taille un peu. Hein. Ouais, hésite pas, hein. Faut lui en mettre à Kenny. Hein. L'objectif maintenant, Flavien va essayer de faire bouger Kenny qui lui tient un bouclier. Tu vas pouvoir y aller avec toute ta force, tout ce que tu veux, le maximum d'élan. Plat du pied, la vague, côté, plat des tranche, pieds, tout ce que tu veux. Patate dans la mâchoire. Non, je rigole, j'ai tu bombardes, t'es yé plein de mains. C'est bon pour toi Flavien? C'est bon, c'est bon. Prends l'élan qu'il te faut. Tu peux faire du double pied, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah. 2, 3, c'est parti! Allez, deuxième essai, Flavien! Allez, allez, tu le vois! Maintenant, on va inverser. Maintenant, Flavien va pouvoir frapper dans le bouclier avec un coup de pied circulaire. Il faut que je le mette là, non? Flavien, range-toi, s'il te plaît. Défonce-le, s'il te plaît. Voilà! Voilà! Oui, Flavien! C'est ça, mon champion! Oui! Voilà! Tu vois? Il a de la haine, frère, il a de la rage. Hey, Flavien, hey, tu vas la voir. Moi, je crois en toi. Bon, à ton tour. Sur mon échelle de 1 à 10,
0 étant le 0%, 100 étant le 100%, mais quoi de puissance? Sur une échelle de 1 à 10, tu m'as dit 0 et 100. Les mathématiques, tout ça. Sur une échelle de 0 à 100, tu mets combien de pourcentage de puissance? 15%. Ultra sérieux. Il m'a déjà mis des crochets dans le ventre, vous l'avez vu en vidéo, dans les abdos. Il était à combien quand tu mettais des crochets? Je sais pas, 20%. On va dire 12,5% alors. Dans tous les cas, tu mettras pas pleine puissance. Sinon, on va le marave à deux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une pénalité pour avoir frappé l'arbitre. Ok. T'as fatigué l'arbitre, putain de merde. Je suis couleur, je suis vraiment couleur. Bon, tu es prêt Flavien? Je positionne le bouclier comme il faut bien. Mets-toi d'un côté. Allez, viens là. Oh, voilà, Flavien, ça c'est mon champion ça. Tiens le droit. Flavien, j'ai des grands projets pour toi. Allez, toi. Voilà, c'est bien Flavien. Ouais, c'est mon champion ça, il s'en fout, il a pas mal, il se relève. Il mourra pas là. Ça va Flavien? Eh, de soi, il a des combats en Thaïlande bientôt, je te dis. Putain. C'est bon? Ouais. C'est bon? Un dernier? Allez Flavien, résiste-moi à ça. Voilà! Il est resté debout! Un vrai vaillant! Un champion! Un gladiateur! Bon Flavien, je suis fier de toi. Moi, pour ce round-là, c'est très simple. Je dirais match nul. Vous êtes d'accord avec moi, les abonnés? Je suis sûr. C'est un Algérien, l'arbitre. À l'unanimité, les jurys, vous êtes d'accord? Voilà, les jurys sont tous d'accord. Les abonnés, vous êtes d'accord? Flavien a bien résisté. J'ai vu que quand il a frappé Kenny, il avait de la douleur sur son visage. Ouais, j'ai vu. Et Hugo, tu mettrais un replay avec de la douleur sur le visage de Kenny. C'est ça, mon champion! Et Kenny, quand il a frappé Flavien, Flavien est resté debout. Ça, c'est un vrai guerrier. Un vrai homme. Un vrai guerrier. Prochaine étape. Là, je vais me rattraper. Tu vas te rattraper? Voilà. Voilà. Hey, tout pile à la bonne hauteur. Je ne valide pas. Troisième étape. Je l'ai appelée la double charge. C'est très simple. Kenny tiendra un bouclier. Ce bouclier. Voilà, Kenny. Cette patte d'ours. Patte d'ours pour Kenny, bouclier pour Flavien, Pao pour moi. Et Kenny sera une des extrémités de la salle, Flavien à l'autre extrémité de la salle. Ils devront tous les deux courir, l'un vers l'autre. Kenny avec son bouclier, Flavien avec son corps, son demi-corps, devra courir vers Kenny, Kenny vers Flavien. L'objectif pour Kenny sera de propulser Flavien le plus loin possible. Et l'objectif pour Flavien sera de faire soit déséquilibrer Kenny avec le choc, soit le faire tomber, soit le bloquer. Et l'objectif principal pour Flavien, c'est de ne pas finir derrière les fenêtres que... si. Tu es prêt? Prêt. Tu es prêt? Faut lui demander à lui surtout. Ouais. Moi j'ai confiance en Flavien. L'impact doit se faire au plein milieu. L'impact aura lieu ici. Je vous demande tous les deux de vous mettre à chaque extrémité de la salle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3... Ok, deuxième essai. C'est bon? Fight! Oui, Flavien! Ça va ou quoi? Tranquille, tu veux qu'on appelle une ambiance? Non, c'est bon, ok. C'est la fin de ce troisième round. Je vous invite à vous rapprocher, les chers combattants. Maintenant, on va pouvoir passer au quatrième round. Le quatrième round, c'est un round simple, un round de lutte. Je vais te mettre en place et on se retrouve tout de suite. Attends. Et maintenant, c'est parti pour le quatrième round. Tout simple, comme vous pouvez le voir, on est sur une surface carrée jaune. L'objectif pour chacun des combattants sera de faire sortir l'autre combattant de l'air jaune. Dans la zone rouge. La zone rouge, c'est de la lave. Celui qui atterrit ou il met un pied a perdu. Les matrixés un peu. Il y aura aussi un deuxième moyen. Vous pouvez mettre votre adversaire au sol sur le dos. Et s'il reste sur le dos plus de 20 secondes, alors il a perdu le round. C'est bon pour vous? J'espère que t'as pas trop le tournis. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon pour toi Flavien? Ouais, c'est bon. C'est bon pour okay. Vous les abonnés? Les règles simples, hein, je rappelle, pas de frappe, pas de doigts dans les yeux, pas de morsure, on ne frappe pas dans les parties, que ce soit ici, là, derrière, pas de griffure, on ne griffe pas. Hein, je dis ça pour toi, surtout je sais que t'es un peu félin sur les bords. Voilà, vous avez tout compris? C'est bon? 1, 2, 3, fight! Allez Flavien, arrive-toi.
Eh oh, eh oh, on rentre du boulot. Première manche perdue pour Flavien. Ok, ok. Ok. Fight! Allez Flavien, use de tes meilleures techniques. Voilà Flavien! Voilà! Et il s'est accroché à ta jambe comme un intrus. Voilà Flavien, on te laisse pas faire. Oh, je vais plus! Manche 2 perdu pour Flavien. Troisième manche. Tu vas pas Flavien? Ça va? Ça va, ça va. Ça va? Fight! Il a quoi que mes jambes? Troisième manche de perdu pour Flavien. Il reste maintenant 2 manches. C'est parti pour la 4e manche, vous êtes prêts? Ouais. T'es prêt, t'es prêt Flavien? Fight! Oh, c'est la tournade de Konoha! Il utilise la technique secrète de la tournade de Konoha! Il a été littéralement éjecté en dehors de l'aire de combat! Encore une manche gagnée pour Kenny! Mais c'est pas fini! Flavien, tu as la possibilité de t'illustrer dans cette dernière et 5e manche. Est-ce que tu t'en sens capable? Bien sûr, J'aime cette confiance! Je vais juste voir. La 4e manche a été gagnée par Kenny, il reste une manche! Les 4 manches! Une seule possibilité pour Flavien de s'illustrer. Vous êtes prêts? Ouais. Tu es prêt? Ouais! Manche 5, c'est parti, fight! Oh, une technique assez fourbe de Flavien. Kenny qui tombe, Kenny qui est à terre. Mais il est malade, c'est fini. Flavien a déclaré vainqueur. Oui. T'as fait un truc super dangereux Flavien, tu te rends pas compte? T'es un imbécile wesh, mais ça va pas quoi. Je vous l'avais dit qu'il s'illustrerait pendant cette 5e manche. Wesh, il a voulu me ken, il a voulu me prendre, Kenny. Il a voulu me prendre en missionnaire le bâtard. Tu fais 250 kilos, il fait 50 kilos, on avait 5 manches. Ouais. Tu fais 5 fois son poids. Ouais. Pour pouvoir gagner, il fallait que tu remportes les 5 manches. Ouais. Il en a remporté une. Donc, logiquement, et avec l'accord de tous les abonnés, la victoire pour le match de lutte est accordée à Flavien. Tes impressions, on va demander d'abord les impressions du grand gagnant. Attends, je vais t'aider. Bah franchement, c'était simple, facile. Du coup, ça fait quoi de gagner pour ta première participation au KFC? Beaucoup d'émotions et je reviendrai avec plaisir. T'as des gens à remercier que tu souhaiterais remercier? La YB, c'est tout. Ok, Blanche-Neige, non? Non, je rigole bien sûr. Bravo à Flavien, merci à toi. Vraiment, oh, t'as été un champion. Tu peux me porter moi aussi ça. Bon. Alors Kenny? Ouais. On va interviewer Kenny maintenant, le deuxième combattant. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette première participation au KFC? Bah... C'est lourd frère. C'est pas pour rien. C'est lourd. C'est plus lourd que Fabien. Ouais, c'est plus lourd que Fabien. Flavien. J'en perds mes mots. Bah c'est pas pour rien qu'il y a des catégories dans le poids. Je l'ai pulvérisé mais bon, vu que voilà, la balance de poids elle change. Bah la balance de gagne aussi elle change, hein. Il faut forcément un ratio. Bien joué malgré tout. Bah, c'est fair play, je respecte, c'est ça qu'on aime dans les sports de combat. Bien joué malgré tout, je reprendrai ma revanche. Et proposez-moi en commentaire aussi des combattants. Des adversaires. Là, je les attends. Voilà. Comme lui là. Comme lui. Surtout, tu veux m'affronter? Tu n'es pas de taille, Kenny. Bref, les abonnés, les collègues, la famille, tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, les frérots, tout ça, c'était du sport. Pour contribuer à la perte de poids, mais aussi de l'humour, de l'autodérision, du fun. La plupart de cette vidéo a été mise en scène. Le frérot Flavien, ici présent, les gars. On se moque pas, on est tous ensemble, on est unis, on est des sahab. On va aller loin, les gars. Merci à ton petit Flavien d'avoir fait la route pour venir. Merci à ton collègue, Ezekiel, pour le cadrage. Merci à toi, l'arbitre. Merci à vous, les abonnés, d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux sponsors de me soutenir dans cette perte de poids et de nous permettre de réaliser des trucs comme ça. Les frérots, pour ceux qui veulent participer au prochain épisode
du KFC, Kenny Fighting Club. Dites-le moi en commentaire. On va faire des petites séries là-dessus, je pense que ça risque d'être drôle, même peut-être plus tard, entre deux nains, ou alors deux gros, ou alors deux choses. C'est pas du combat sérieux, c'est vraiment de la foule autodérision. Le but est de regrouper un maximum de différences et de s'amuser tous ensemble. Le petit like, l'abonnement, le code Kenny jusqu'à moins 50% chez MyProtein. Encore merci à vous les gars, merci, on s'applaudit pour ce tournage. C'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Un grand merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny et son équipe. Ciao.